aujourd'hui une recette super simple à faire et vraiment super rapide pour vos cils. Donc pour avoir des cils plus épais, plus longs et plus foncés au fil du temps, quelque chose de super naturel. J'ai acheté de l'huile de ricin bio et cette huile de ricin est venue avec un tube à mascara rempli d'huile de ricin et ça pour la base des cils aussi avec de l'huile de ricin. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est d'ouvrir votre tube à mascara et s'il n'y a pas déjà l'huile de ricin dedans, vous pouvez simplement la verser dedans, c'est pas compliqué. Et ensuite vous allez ajouter des huiles essentielles de bois de cèdre. J'aime bien les huiles essentielles de Young Living parce qu'elles sont bio et au-delà du bio et j'ai vu leur ferme etc, je connais très bien leurs pratiques qui sont de désherber à la main par exemple et d'avoir des terres complètement sans pesticides et des plantes complètement sans pesticides. Donc on va mettre à peu près 5 gouttes ici de bois de cèdre. Et puis, soit vous pouvez taper pour que ça descende, soit vous pouvez insérer le mascara. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà. Et puis, on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle de lavande qui est distillée à partir de la fleur de lavande, super concentrée, qui sent très bon, super boisée et qui est excellente pour tout ce qui est cheveux et du coup, tout ce qui est cils. Pareil pour le bois de cèdre que je recommande, vous pouvez ajouter à votre shampoing par exemple et la lavande aussi, donc 5 gouttes dans un shampoing par exemple, vous allez voir la différence au niveau de vos cheveux, plus soyeux, plus de volume. Et voilà, ensuite vous remettez votre petit tuyau dedans et ça va se mélanger voilà, en avant, en arrière. Et voilà, et ça c'est quelque chose que je vais appliquer sur mes cils tous les soirs. J'utilise déjà un mascara qui contient de la lavande et j'avais un peu peur au début que ça m'irrite les yeux, mais pas du tout. Et puis au fur et à mesure mes cils deviennent plus épais, j'ai de nouveau une repousse de cils que j'ai jamais vu, donc ils sont plus épais à la base et ils sont aussi beaucoup plus longs parce que ceux qui étaient déjà là ils ont continué à pousser et il y a une repousse au niveau de la base des cils, donc c'est vraiment génial. Donc tous les soirs je vais me mettre ça à la base des cils pour favoriser la repousse et puis je vais me mettre ça comme un mascara sur les cils et voilà, avant d'aller au lit. Le soir, c'est le moment idéal parce que pendant la nuit, toutes les cellules de la peau se régénèrent et toutes les cellules du corps d'ailleurs. Donc, c'est un bon moment pour faire tous vos soins de peau, etc. Voilà, je vous avais prévenu que c'était super court. J'espère que vous allez passer un bon restant de journée et n'hésitez pas à me poser des questions.